Merci beaucoup, très chers amis du quatrième pouvoir, la presse, les gardiens du temple de la démocratie, tisséré dans le Nouveau Testament, l'élève du Sphinx, les prophètes politiques. Nazane Sengoya Yambabino Lelo Awanao Babengi, état-major politique et armée des bâtisseurs tisségédistes. J'ai vraiment un plaisir ya yambabino wa na bengi bino de manière ou ba bengi urgente par rapport na situation politico-sécuritaire ya mboka état de la nation en général. D'abord primo, avec beaucoup plus de désolation, tu apprenas qui bisonio sont morts, il y a moko ya bao babengi, fils du pays. Là, je cite, Excellence, Monsieur le ministre honoraire ya transport, Chéribin Okende, mort au salami, de manière au balobi vraiment trop cruelle. Tant que gardien du temple de la démocratie, na pesi ba condoléance nanga na famille na biologique pe na famille na politique ko eza ensemble pour la République ya président Moïse Katumbi Tshabe. Ba condoléance nanga pe na ba collègues na union so ba travailler na ye na gouvernement ya ba warrior Sama 1. Chéribin Okende, c'est quelqu'un qui a dans l'opinion nationale que un homme, c'est un homme par rapport à sa conviction politique. Naé, il peut prendre une décision de laisser au Babengi le gouvernement pour continuer au Babengi sa conviction politique. Naé. Il sondait avec Christian Mwando au besoin courage. Il a démissionné pour la conviction politique na bango pour ba rejoindre ensemble en vue de cavalier na présent Moïse Katumbi. Ngana mona ngo mabete, c'est la démocratie. Quelqu'un peut décider au babengi destin naye. Kokufa naye assassiné, ça ne sert à rien na ba politique ba ko gaucha au babengi la charrue devant le bœuf. C'est-à-dire venir acquiser notre pouvoir au Yeza Maboko Pembe, que pour acquiser notre pouvoir, que Yeza responsable, il y a mort, il y a Chéribin Okende. Le gouvernement de la République, pour manifester au Babengi, pour manifester au Babengi, innocence naye na assassinat wana a diligenté au lobby banquette passengi même banquette ya agence ya criminologie ya libanda. Ça ne sert à rien comme tozoka na ba chaîne ya ba télévision pe ba etandoike bande ko ensemble de la République bazo sauter pour balobake. La mort de Chéribin Okende et outil n'a pas bien le pouvoir na biso. Non et non. Laissons la justice faire son travail, Monsieur Moïse Katumbi, avec tout le respect. Vous n'êtes pas la cour, vous n'êtes pas la justice. La politique est en haut bien bangé et belé. Et le koni ni pe koki ko zalate. Que Chéribin Okende a lingaka zonga na raison et sa famille politique ensemble va saler l'élimination dans la politique. En politique, tout le coup est prévu. Même soit lingaka zonga na raison, ba monye ka komi témoin gênant na ba planification na bango machiavélique ya ko renverser pouvoir ba saler l'élimination dans la politique. Biso pe toko lo ba bongo. C'est-à-dire à cet instant on est obligé. Nous venons de perdre un frère parce que nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des adversaires politiques. Nous venons de perdre un frère, rien ne sert à polémiquer.
Laissons à la justice faire son travail. Makila Mutu et Ganga Akaka. Yachebea, Lelo et Komako Ganga. Celui qui a zui arme n'est pas bon, ma chérubin. Il sera dévoilé, même pas aujourd'hui, même demain. Même si nous ne sommes pas là, bananabiso baye. Ne cherchons pas à mener au babengi, ba traumatisme na peuple. Oh, y'a déjà un mois, ba problème est belé. Y'a ba kidnapping et consort. Donc, laissons la justice faire son travail. Donc, mes condoléances vraiment à la famille de Chéribon Okende. Le Congo a perdu un homme, le Congo a perdu un intellectuel. Deuxième loco na olobela lelo. Ezali désistement ya monsieur Martin Fayulu. Tolanda ibisonyo so que monsieur Martin Fayulu alobi a okende ba élection te pona oba alobi ke fiché na cadre ya position ya parti nay. Mais à maintes reprises, Naïf, ça vient d'en avoir Martin Fayulu, m'a dit, Martin Fayulu, président de nuit. Naïf, il sait que la politique des chaises vides ne paye pas à tout Nabiso. Il risque Yaroti Kalaye Moko. C'est-à-dire, il risque Yaroti Kalaye Moko. Si tu sais que dit le père, à salaire politique à chaises vides, mais biso il dépense to zwa kapé ba choc na robandana na e Fayulu alandara mo d'ordre ya tisseke le perte. Alors ba je suis allé pour lutter dans les institutions. Frank Idjong alandara pe mo d'ordre ya tisseke le perte. A kota parler du peuple abi a ke kuna pona ko lutter na ba institution. Biso mo pe na i dépense ba député na biso ya 2011. Ba mona vraiment que mutabimi bo ebele ba kenda ba kota na ba institution ba landa mot d'ordre ya présidenté. Mais si li dépense est résistant il peut dépense ces phénomènes et ça suite na au balobi parlement debout. C'est pour cela to continuer le combat. Même président Félix Abima député to yebisaka que soko meki oko kota to longolo. Ezaka yende mutu abanga ko kende ko kota. Le reste est désobéissaki. Donc Fayulu aura beaucoup plus de difficultés que sa mort d'ordre monnaie tina yoga y a dos ndomba si déjà bouton bokele a sali de trois droits chemin na e. Il risque de rester lui et sa femme camerounaise na Faden House ko salo babengi parti de papa et maman. Pona makambuana, nous sommes prêts pour les élections. L'IDPS va aligner cette fois-ci plus de 500 députés avec Augustin Kabuya. Nous avons aussi des regroupements au président du parti Augustin Kabuya. Le président en exercice va présenter. Et à part ça, l'armée des bâtisseurs qui se redisse, pour une fois de plus, va lancer au Babengi magazine à télévisé au Balobi candidat favori afin de vendre au Babengi la réalisation d'Abissoto Salaki. Na mandat ya Fati 1 et en plus ya rosala marketing pe propagande ya ba candidat député Napso. Candidat favori c'est une émission oyo na banda ko réaliser ngo na 2018, il y a d'autres chaînes awa oyo banda ko le donc je peux citer Top Africa. Leader PS est en train de mettre ba bengi arsenal électoral, on n'a pas le temps à perdre. Et à cet effet, toujours dans le cadre il y a planification, il y a Oba Bengi, le lendemain meilleur, il y a nouvelle espérance. L'armée des bâtisseurs Tshisekedi, c'est un mouvement politico-social et qu'on organise le dimanche Oyo. Donc le dimanche Oyo, le 16, à partir à 14h, Oba Bengi, un grand colloque de réflexion. Colloque de réflexion, on a thème Nango Toche, comment réussir fatigué. Comment réussir le deuxième mandat du président? Donc, il y a une salle à Manao Babengi, centre paroissial, la grande salle, l'église catholique Sainte-Trinité, Awa, dans le quartier de Bonhomme Matete. Donc, il y a saut des moutons à Rema Cravette. Colloque, il y a des invités, Oyo Tobengi, sous le haut patronat, il y a le secrétaire général Augustin Kabuya, Naïde Pest Tobengi, David Moukeba, conseiller à président.
peut conseiller à la présidente de la République. Na union sacrée tobengi madame Dorothée Madi ya rep ya excellence Guy Luando pe na union sacrée tobengi Thierry Musene pwe oya CCI ya la mère Mende. Donc bakozala devant babengi un auditoire ya ba combattant ya ba union sacrée. L'invitation est lancée à la jeunesse de l'UDPS en particulier et au mouvement des jeunes de l'union sacrée et à toute la population Potoya ko réfléchir comment ça sera et nous allons réussir au Babengi deuxième mandat président. Donc c'est le dimanche 16 à 14h. Point monsieur na bengeli bino lelo pona aborder ezake j'étais prêt à rokota na parler du peuple comme candidat député pona lobela au Babengi na lo babo la ba pauvre. Mais suite à mon état de santé, au bientôt, parce que je ne peux pas dire dato na ko linga, au bazo kende ko salang opération, on va m'opérer et ko senga na vanda sou na sepo pota e kauka, et on va encore m'opérer na loboko na bukana na marche motorisée ya étudiant contre Kengo Adoni. Donc na za na double o babengi douleur o na rozoa. Je ne serai pas na etawa na ya santé pour ne pas peut-être na sa la réchute tona ko tika la handicap. Je ne vais pas postuler pour na législature. Je ne serai pas candidat. Mais j'informe na batuto balingaka fisi mukoko. C'est ça le réel politique. J'informe na batuto balingaka fisi mukoko que mon ticket gagnant na belle élection, il y a députation. D'abord, j'assume le choix de Fatih comme mon candidat président de la République. Mon ticket gagnant na députation Ezali Obabengi Augustin Kabuya Mwana Bouté na Mwamba pour na batutu. Pour na ba député provinciaux, il y aura Obabengi ba contrat social pour na fils Simko na soutenir. Yo. Mais celui que je vais soutenir, on a une obligation de soutenir tellement à postuler dans la circonscription, c'est Augustin Kabuya Mwana Bouté qui est mon ticket gagnant. Santé n'a pas permettre de dans ma vie, je ne vais jamais dans une guerre pour perdre. Et dans une campagne électorale, le candidat est mon chef des opérations. Na état handicap na okokate, c'est pour cela que j'ai désisté en faveur des autres. Dieu seul sait ce qu'il va me réserver na mikolo koya. C'était ça d'abord l'objet ya Obabengi conférence de presse na biso ya lelo. Tozo ebisa na peuple baza en espérance. Mais na zo profiter de cette occasion, l'insécurité est grandissante. Nous avons interpellé l'autorité lobby la sûreté de l'État de bien faire leur travail. Parce que ce qui se passe, par exemple, au niveau du Katanga, je suis en train de dire, et ça bien été, j'ai dit au peuple Katanga, au peuple Katangais plutôt, Dieu nous avait placés comme Congo ensemble. Que les gens qui ont l'esprit de la division, ba gagner ba âme ya peuple katangete. Chacun de nous doit être Babengi un agent de sécurité. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire tomber ce pouvoir. Na mouté mamabe. Par rapport na mort ya chéribin, ndenge gouvernement lobby conformément à l'article 16. La vie d'une personne est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. La vie est sacrée. Je profite de cette occasion pour signaler aux gens que nous avons objet y a appel masqué, il y a menace. Na éviter ce que ça suite na obalobi activisme nangai par rapport na obabengi l'intérêt du peuple. Je demande aux autorités de l'État
de bien vouloir voir comment ils peuvent assurer au babengi ma sécurité. Nazozo appel, y a ba menace parce que j'avais ya dévoilé au balobi les inédits ya matata mponyo na ba détournement na yo sala na kachamboka Congo. Nazozo appel anonyme. Je demande aux autorités bako assurer sécurité nanga na lobby. Awa na lobby déjà, c'est-à-dire que je suis à l'insécurité. Par rapport à ma cambo fayou la lobby au kena course te po azampiaka au kena course te po aganga kake o azali o candidat eli po asaila moto ya Moïse Katumbi, moto ya Muzitu, moto ya Matungulu, moto ya oba bengi Jean-Pierre Mbemba fayou la saila nde moto ya batu yangonde yemo wa yo la sake azan incapacité ya ko drainer masse na meeting na salaki na niveau à Sainte-Thérèse terrain et koma pas même katikati makambo ya zolo ba va appliquer l'article 64 soka zolo ba na peuple article fatanga ngo na mobimba nango article 64 lobi boye tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu neti fayulu ou groupe d'individus neti o babengi bloc na bango ya Lubumbashi qui veut prendre le pouvoir par la force. One article 64. Article 64 toujours na suite nango elobi toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Régime otoza nango za régime à coup d'état est constitutionnel parce que to salo babengi passation de pouvoir civilisé avec le président honoraire Joseph Kabila. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel et pas bateau bazolinga ko monté ba kuba ko sa ba planification ya kindoki est une infraction. Ndenge mibeko ya mboke lobi et peut être puni conformément à la loi. C'est-à-dire toute tentative, nous avons fallu interpréter l'article 64. Il y a qu'on renverse le pouvoir. Bisso y dépèse tant que parti présidentiel. Tous autres se préparent pour la Rosalo Babengi, protection et pouvoir. Toko barre bango route. Mais ba e bake, après balobi, coup d'état na bango manqué. Oh balobi, insurrection na bango. Ils seront punis. Moutoya Golobayabisote, c'est la dictature, ils seront punis conformément à la loi. Allez lire l'article 64 Tinasuka. Bokata ba chapitre Bible était Oeza Constitution Mboka. Article 63 Lobi Boy. Tout Congolais a le droit de défendre le pays et son intégrité territoriale. Tout Congolais a le droit de défendre le pays et son intégrité territoriale. Face à une menace, ne t'en fais pas au sala. Et face à une agression, ne t'en fais pas au sala. Donc, fais le lire aux autres en article, constitution, et ça n'est pas la Bible, et bien, autant en Genèse, ce que c'est en Apocalypse. Quand on a dit que la Genèse, on a dit que la Genèse, on a dit livre prophétique, au souki wana. Il faut en appeler la livre misus. Donc, kaka na article bino bo kan sa bo renverser pouvoir kaka na article lande biso pe to kanga bino. C'était ça mon allocution à lelo par rapport na o babengi situation du moment, situation politique. J'ai dit je vous remercie, s'il y a des questions je réponds. Je nazozo ba appel ya ba menace parce que j'avais ya dévoilé au balobi les inédits. Il y a matata mponyo na ba détournement na yo sala na kachamboka Congo. Nazo zwa ba appel anonyme. Je demande aux autorités bako assurer sécurité nanga na lobby. Awa na lobby déjà, c'est-à-dire